Et bonjour, et ben on est mercredi 4 septembre. Voilà. Donc du coup on est mercredi, donc on a les Pio avec nous. Voilà, Tristan et Nathan. Et on est revenu sur le petit étang. Voilà. Donc du coup hier on a fait les derniers abattages. Donc là on est en train de tout sortir. Enfin, les derniers abattages, non, il m'en restera un. Il me restera ce frêne là, le petit là. Voilà. Il me restera celui-là. On conserve donc cette CP, le frêne là-bas, qui à mon avis a la place. Il n'y a rien derrière. Ici, on a gardé parce qu'il n'y avait rien derrière. Voilà. Celui-ci, je sais pas encore. Je sais pas encore, franchement. Il a le trou pour se faire, donc on va peut-être le garder en espérant qu'il soit au-dessus de la CP d'Aulne là. On le voit, il est là, là. Voilà. Et là, c'est la CP d'Aulne. Donc le reste, on a enlevé parce que déjà, ça fait de la clarté. Là-bas, au fond, on a tout le chêne là, qui est ici là. Donc du coup, l'Aulne était dessous. Donc on a enlevé. Là, on a enlevé ici. Parce que ce frêne-là était complètement dessus, la CP était complètement dessous, se déportait au-dessus. Voilà, il nous restera là-bas les marronniers un petit peu à relever, légèrement, parce que le marronnier, ça compartimente très mal, ça cicatrise très mal. Alors on dit compartimenter dans le jargon professionnel, voilà, parce qu'un arbre ne cicatrise pas. Voilà, et puis demain avec Anto on s'occupera du frêne que maintenant on voit bien là qui est bien dépérissant. Voilà. Donc on s'occupera de ça et on va relever cette petite branche là, cette petite branche qui est ici là de frêne. Voilà où on en est. Donc on est en train de sortir les bois, la corde est accrochée toujours là-bas. On sort les bois au fur et à mesure avec le chargeur. Le chargeur, on le voit, il est là-bas. Et donc du coup on tire le long avec la poulie, ça nous permet de ramener au broyeur. Voilà où on en est. Vas-y Tristan. Le chien, lève-toi. Stop.